on peut jouer de la musique de la même façon qu'on joue au domino. Okay. Donc c'est très simple, on a des contrôleurs, comme ça. On a rouge pour la batterie. On a les bleus qui vont faire la basse. On a les jaunes qui font les mélodies. Et les keyboards qui font les accompagnements. Okay. Génial. Et après, on a quatre effets différents. Quand on joue au milieu, le son est clair. Quand on descend ici, on a un coupe bas. Là, on a un coupe haut, vous entendez la différence. Ici, on a un delay, tout le truc qui fait répéter les choses. Ici, on a une règle après, quand on met ici, le son est clair. Et le but après, est de mixer, etc. De faire ces trucs-là. Il y a juste une seule règle, de jamais jouer la même couleur en même temps. Deux mêmes couleurs en même temps. Vous paramètres ici, si je veux changer la batterie, je ramène la batterie là, et l'ordinateur a coupé celui-là. Donc on l'enlève et on le remet. Allez-y, c'est bien. Donc toi, tu prends les batteries, toi, tu prends les basses, toi, tu prends les trucs. Changer, tout simplement, de changer. C'est un looper. Ouais, ça se branche comme une platine laser sur la solo, comme tout bêtement. Alors l'idée, quand on change le truc, c'est pour que le son soit fluide, tu vois. C'est que si on veut changer la batterie, on va le ramener comme ça, hop, l'ordinateur il a mixé, et ensuite on l'enlève, pour qu'il n'y ait pas de... Ce qui est génial aussi, c'est que si jamais c'est... il est un peu tard, les mecs, hop, on peut mettre n'importe quoi, pour le bordel, l'ordinateur va toujours jouer le dernier posé. Ah, oui, d'accord. Donc ça, faut penser aux gens qui sont là-bas, qui ne sont pas concernés, la musique elle est toujours fluide comme ça. Ça veut dire aussi que vous pouvez faire n'importe quoi et jamais faire de fausses notes. D'accord. C'est important. C'est important. Changement de basse, là. Un petit peu, mais... D'accord, ok. On enlève la voix. Ok. Là c'est les coups bas. C'est les différents coups bas. C'est le son qui change en fait. Ramenez là. Vous avez compris le principe. Ici on a, en rouge on a les batteries. En bleu on a les basses. Ici on a les chants. Et ici on a les keyboards, c'est les pianos. Et là vous avez des aigus dans la batterie, c'est bien. Et quand on veut, hop, on la ramène.